d'ouvrir un peu plus les... Les aigus, aigus. Oui. Ah oh. Tac, ça te prendra. Voilà. Sur ce chemin. On peut. C'est ça que j'aime bien, la lacrière qui pleure. Qui... Tu vas pas être déçu. Qu'est-ce qu'il y a, t'as là? Ah, c'est super. Merci, maître. C'est Victor Ater a fait de la musique. C'est une espèce de gêne entre le violoniste et parents, cette histoire. Quand un violoniste vient, il dit ouais, mon violon il va pas. Et le luthier il est comme ça. Et derrière cette espèce de statue de commandeur, derrière il y a un mec très gêné. C'est quoi cet objet? C'est bizarre parce que des deux, de part et d'autre du violon, t'as deux personnes qui sont angoissées. Voilà. En fait, c'est ça le problème. Et le dialogue ne passe pas à cause de ce violon qui est là et qui les empêche de dialoguer. Et c'est ça qui devrait les rapprocher. Voilà le paradoxe. On est en plein dedans. Voilà. Ça va l'énerver de venir le matin. J'ai un petit peu d'alcool. Les violoncelles sont des borrachos, comme les luthiers. Ils marchent à l'alcool. Ils s'ouvrent. Ils ne s'ouvrent qu'à l'alcool. De la pochardisation du cello. Heureusement que mon pied était là. J'ai horriblement mal, mais le... Violoncelle est sauvé. L'instant est... Hein? Capital. Voilà. Billet. 6. Voilà, c'est tout. Et ça doit être... Voilà, minimum 7. Allez, chien, allez, chien, allez, chien. Oh, les mecs, ils connaissent rien. Pourquoi ça sonne des fois? C'est par hasard, hein? C'est par hasard, hein, je te le dis. C'est tout à fait par hasard, ça sonne. Oh là là. Ah les connards. Mais c'est beau, c'est pas laid, c'est sympa. C'est... Quand on va au concert, on va écouter. C'était à l'époque où on avait volé le violon de Pierre Moyal. On va écouter Pierre Moyal et son Strad. C'est pour ça que Pierre Moyal a pleuré quand il a perdu son Strad. Et moi, je trouvais, déjà à l'époque, je trouve infiniment plus triste de perdre Pierre Moyal plutôt que de perdre le Strad à choisir. Quand j'ai fait un modèle de Strad, alors j'y ai mis tout mon cœur. Je savais qu'il allait se passer des choses. Donc pour moi, implicitement, je suis pris par cette espèce de sentiment stradivarien. C'est bien ce qui nous fiche en l'air, nous. Tous les luthiers, on a tous les yeux tournés vers le passé. Et on n'est pas des adultes. J'en connais pas un qui soit des adultes. C'est toujours des enfants. Ils attendent d'avoir la bonne note. Quand ils font un violon, et ils disent, et ils pensent un petit peu à leurs confrères. Ils disent, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils font pas un violon pour un musicien. Jamais, jamais un luthier fait un violon pour un musicien. Ils font un violon pour les confrères et pour Strad. Thank you.
chose, ce chat. Il y a quelques fines poutres, là. On peut voir les fines poutres. Bah, c'est près du cœur, non? C'est impeccable, hein? Il y a vraiment un truc, là. C'est super gros, il faut pas voir. Bon, ouais. François Perrin a décidé de fabriquer un grand alto au dessin original plutôt qu'une copie d'ancien. D'ailleurs, c'est exceptionnel comme bois. La table, c'est-à-dire la partie vibrante, sera faite dans un bois vieux durci par l'âge. D'autres luthiers s'y sont essayés auparavant sans succès. Pour la première fois, ils renouent avec la tradition des luthiers classiques qui fondaient leur bois eux-mêmes. Bon, il faut que je reprenne ça là. Voilà. Bah, par quartier, c'est comme ça, hein. C'est écrit. Et c'est comme ça. Bon. Faut reprendre là. Sa première sonorité. Excusez-moi de vous demander pardon. Je ne l'ai pas raté. Ah, il y a des cracks qui vont loin. Ça va faire des belles âmes. Les belles âmes du 18e, du 17e, bordel. Putain, c'est une odeur. Ah, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est hyper léger et c'est bien de l'épicéa. Parfait. Faut le dire vite, hein. Très inquiet, moi. Ça, c'est Gitlis qui joue, là. C'est vrai, Gitlis. Il joue vachement bien, ce qu'on a. Ça tourne bien là-haut. Et en bas aussi. C'est un beau cul, hein. Bonne gueule. Voilà, on va en retirer tout de suite. Il est infernal parce qu'il est mou et il bousille quand même les outils. Je crois qu'elle est condamnée là. Malheureusement, ratée à cet endroit-là.
Quoique je suis très haut ici. Je suis à 20. C'est très très haut. Oh, qu'il est méchant ce char. Grande beauté. Ah, c'est une saloperie véritable. Ah oui. Voilà, sauvé. Faut que ça descende. Ça sonne. Ça a l'air. Yo vivo da boda et un ami. Tous baissent sans rien. Oh, mais c'est encore tout à fait honorable de la part. Sauf là, c'est de la merde. Non, trop. Ah, mais je suis à 19, là. On va descendre. Parmi Itana. Caminando, 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 solito. L'émotion est la même que quand on ébauche l'extérieur. Ça va devenir vraiment une plaque sonore. Il est en train de disparaître. Le ruche 60 grammes sur la barre, 150 en âge, ce qui est pas mal déjà. Ça vaut pas 17e, ça fait plus de 300 ans d'âge. Alors lui, la table, poids sans manche 300 grammes, la table poids 80 grammes sur la barre. Alors, voilà. Et là, on en est à 200 grammes. Fraternité, c'est-il ça la délicatesse?
foutent au moins leur gonzesse. C'est vrai, quoi. Petite faiblesse. Voilà. Il faut bien mettre la barre aux endroits où elle était quand elle était ajustée, sinon c'est vraiment pas la peine d'ajuster une barre. Ça ne sert à rien. Voilà. Voilà. Et la voilà partie sur la grande aventure de la vibration. T'es énervant, ça se passe très bien. Voilà, tu mets la barre. C'est exceptionnel. Ouh, alors là. Là, c'est meilleur. Ça prend des graves, oui. C'est étonnant. François Bachet est un inventeur d'instruments de musique. Le voilà, le luthier moderne, celui qu'on attendait. La guitare gonflable, les structures sonores, le cristal Bachet. Il tient salon et table ouverte tous les jours dans ses ateliers. Perrin a la simplicité des grands hommes. Et c'est pour ça que je l'admire. Et tous mes amis communistes, justement, dans cette admiration. Et raconte-moi ce que tu vas faire, alors. Alors, je suis en train de faire un alto assez particulier parce qu'il est en dehors des mesures. C'est un énorme alto pour des géants. Et pour dire. Des géants, bah c'est un alto qui fait 44,5, c'est une grande raquette. Nous, métier moderne, on veut essayer de tuer le maître. Alors je te file mon truc, j'ai eu l'occasion à Grenoble de récupérer du bois du 17e siècle. Attends, en peinture. Et j'ai fait une table dedans. Donc maintenant je me bats d'égal à égal. On ne cherche pas plus le progrès dans la lutherie, on cherche le progrès dans la cuisine. C'est-à-dire que le modèle de la cuisine, c'est Brillat Savarin. Et le modèle de la lutherie, c'est Guarneri et Stradivarius. Et c'est ça qui le gêne. Quelqu'un qui vient avec quelque chose en neuf dans la lutherie est considéré comme un iconoclaste. Ça, c'est grâce à toi. J'ai lu une phrase de toi et j'ai repris toute ma lutherie. Sur une phrase de toi. Sur une phrase de moi. Je vais faire très attention. Je reconsidérerai toute ma lutherie sur une phrase de toi. À propos du charango. Comment ça peut sonner le charango? C'est du cuir. Oui. Et tu m'as dit, mais c'est la voûte qui remplace le. Qui fait la dureté du cuir. Et là, j'ai tout revu. Tout reconsidéré. Je vais te dire mon secret. On me dit, pourquoi vous êtes si cultivé? Parce que j'ai pas d'auto, je sais pas conduire. Alors quand je prends le métro, j'ai une heure pour lire. Quand je prends le train, j'ai 7 heures. J'en mets 4 bouquins, 2 allées, 2 retours. Alors forcément, je ne sais pas l'intelligence, ça. C'est la SNCF ou c'est la. Bon. C'est maintenant le tour du fond. Le fond se fait le plus souvent en érable ondé, bois dense et dur. Les ondes sont une maladie du bois qui le rend plus rigide. Plus le fond est rigide, meilleure la sonorité du violon.
Avec un trusquin, on trace l'épaisseur des bords pour déterminer le départ de la voûte. Avec un trusquin. J'avais Guarne qui était beaucoup plus épais, mais j'arrive pas à retrouver le plan. Guarneri, il faisait beaucoup plus épais. Hein. Giuseppe Guarnerius, Fessit, Crémon, 1735. Estrada. Silla, fermatono male. Grande. Alors, mais il n'y a pas la date. Si, 1710. C'est le vieux temps. C'est le vieux temps qui est si mince. Allez, deux, trois. Le vieux temps. Le Chantilly, 1713. C'est la grande époque, ça. Il est fin aussi? Non, il est correct, le Chantilly. Mais c'est le vieux temps qui est incroyable. Le filetage consiste à creuser une gorge près du bord, puis à y insérer trois filets de bois pour protéger l'instrument. Le filetage est considéré par les luthiers comme essentiel à la beauté du violon. Les valses, c'est grave, plus de turelles, plus de gendarmes, plus de belles terres, plus de richards à l'ambri doré, qui boit la sueur du prolétaire. On expulse aussi les ronfères, pour qu'un mineur et sa franchise. Enfin, tout le monde se fait expulser. Il restera plus que les anarchistes. Enfin, tout le monde soit expulsé. Il restera plus que les anarchistes. Ça, c'est beau quand même, comme chanson. Et quand le maître fait ses violons, Cécile, c'est quoi les moments où il faut pas y toucher? Le maître, le moustache du maître. Oui, il faut se mettre loin et tout. Le filetage. Le filetage. Le filetage, il faut être très très loin. Si tu restes, c'est de ta faute. Qu'est-ce qui est de ta faute? Bah si, le filetage, si tu rates, merde. Tiens. Ah ouais? Mm-mm. Alors ça ne merde jamais. Donc personne ne vient jamais apparemment. Benedico il mio tormento, dopo il golpe più contento, dopo il male più felice, sol per te, bella Euridice, sol per te, bella Euridice. Mira, de mio orfeo, ed ogni intorno, rine bosco e rine prato, segui tu col metro amato, la dolce ernaria in si bella. Merde. Putain, le mec, je vais me le faire. Fabricant de filet de mes couilles. Là. Ça resserre en ce moment. Tu veux pas mouiller un peu? Non, plus ça mouille, plus ça resserre. Ah.
C'est-à-dire que le bois est en train de se... Non, j'ai rien là, je filtre. Je filtre. Non, non, je filtre, j'ai rien. Là, j'ai rien. Quand je filtre, j'ai rien. Excuse-moi, Florentin, mais... Thank you.
Katia. Katia Louis, hein? Oui. Alors, vous êtes rentré quand, il y a trois ans? Il y a trois ans. Ah, vous avez fait des études, peut-être. Vous avez eu qui comme prof, alors, finalement? Pierre Béjugé. Ah, oui, oui, oui. Et puis, Michel Lejean, le dernier. Ah, ouais. Ah, excusez-moi. La lutherie Perra, je vous écoute. Ah, c'est monsieur Kvetomir. Il est tombé d'un pont. Ah, dans les pommes. Ah, tu dors. Mais c'est bien, ça. C'est bien fait, ça. C'est bien Mirko à la tête, hein. Ah, c'est marrant. Ça, c'est vraiment. Dire que je faisais des trucs comme ça avant, c'est drôle, hein. Ah, c'est drôle. C'est bien fait, les F, hein. C'est bien, hein. C'est bien taillé, là. C'est pas mal du tout, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de la fin du mois? Ah, c'est bien, ça. Bon. Je vais vous faire un papier. Vous savez pourquoi? Demandez-lui. J'ai attendu un papier pendant bah, tu l'attends deux ans, pas, trois ans. Voilà. Il n'a jamais eu. Il n'a jamais eu ce papier. Mais il était engagé. Hein? Bon. Pour qu'un violon ait de la sonorité et de la puissance, il faut que le fond soit rigide. Mais une trop grande épaisseur de bois alourdirait l'instrument au point de gêner le musicien. J'ai donc trouvé une solution, mais c'est mon secret, en hommage à Stradivarius et à Guarnarius, et à Matty. Donc alors, là, tu m'as dit. Je suis pas drôle, là. Ok. Olé ! Non, non, dessus. Baptisé, bien sûr. Comme tous les violons. Sans passion, on ne peut pas vivre. Il manque un truc là-dedans, c'est du champagne. Dans quoi? Dans mon verre et dans le violon. L'alto, il a eu ce qu'il voulait. Il n'en faut plus, c'est à moi aussi. Non, mais dans le champagne, il y a de l'alcool. Hein. Si tu veux décoller ton fond, pas de problème, il me suivra. Ah. Yes, en fait. Dire les mecs qui ont fait. Ouais. Chauffe. C'est génial de faire ça. Avec Emma Kerbé, à cette heure-ci, on ne pouvait pas faire mieux.
pourquoi tu te donnes tout ce mal? Ce simple petit coup au cœur quand le violon se met à sonner pour la première fois. On travaille comme des bêtes pendant des mois et des mois pour avoir... Ça, c'est mieux que la roulette. Ça, c'est une grande émotion. Ah non, c'est vrai. Ça devient rigolo là. Mmh. Alors, il n'y a plus aucun problème. On est sauvé de ce côté-là. Katia, qu'est-ce que ça te dit quand si je te montre un talon comme ça? Ça te fait penser à quoi? À tes pompes? Il y en a comme grosseur par rapport au truc. Je crois que l'habitude du violon. C'est petit, hein. C'est trop petit. Hein? C'est pas petit, un peu petit. 21. 45. Ouais, c'est petit. Ça fait petit, quoi. On peut dire que c'est petit. Quelqu'un pourrait penser que c'est grand, et en fait, voilà, c'est petit. Moi, j'ai de très gros problèmes avec les montages de mes violons. J'ai souvent souhaité qu'un autre le fasse à ma place, à ce point-là. Rackham le Rouge, il a été fini officiellement en 85, et il a été choisi par Ripoche en 87. Deux ans après, j'ai réussi à ne plus avoir l'émotion, à dominer l'émotion, parce que c'était une histoire qui se passait en 85. En somme, c'était plus moi, le luthier de 85, en 87. Donc, comme c'était plus moi, ça y est, je dominais bien la situation. J'ai mis 2 ans pour monter Rackham le Rouge, parce que je l'aimais trop. Rackham le Rouge, c'était un modèle de Strad. Le plus fidèle possible, en plus. L'âme est ce qui donne vie à l'instrument. Simple tige de bois, mais essentielle à la sonorité. C'est beau, une naissance, quand même. Oh là, il n'a pas une petite voix. Intérieur. Ça va pas, ça? Je vais foutre. Ça sonne pas. Ça va. Le ré, il dégage.
Fait quand oui, même. Très hein. Drôle. Quand tu regardes le noir à l'intérieur, c'est l'enfer. Ça fait, ça fait bizarre. Ça, le fond, c'est traditionnel. Mais à l'intérieur, il y a un secret. Mm-hmm. Un secret qui n'en est pas un, c'est la high-tech. Mm-hmm. C'est la haute technique. Oui, oui, je comprends. Hein? C'est. High-tech, c'est ouais. Mais à l'intérieur, il y a de la fibre de carbone, il y a des tas de trucs très bizarres. Qui font que c'est hyper léger. That's what's good. So that's the story, right? Voilà. Yeah, that's good. Et maintenant, ce sera, on va chercher le secret de Monsieur Bernard. Après, ça lui sera du Marius. Janie? Ok. Ce dont je suis vraiment très surpris, c'est qu'il répond quand même vachement facilement. Et ça, c'est, il a un jour à peine et il répond tellement facilement. Oui, il a un jour, absolument. C'est son anniversaire. Il a c'est oui. Ils ont été très sympas, ils m'ont fait beaucoup d'affaires. Est-ce qu'il y a un verre pour Jen? C'est très oui, important, on n'est pas là du tout pour rigoler. Thank you.
la refera quand l'alto sera verni, qu'on aura bien travaillé. Que... On l'aura travaillé, bien sûr. D'accord. Parce que là, ça fait... C'est un peu ham. Un peu... D'accord. Quand même, c'est vachement beau. Hein. Il y a le sentiment. Il y a le cœur. C'est beau, le cœur.